بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين On va continuer toujours à propos des bons comportements. Donc, quelles sont les récompenses ou bien les effets des bons comportements? Tout d'abord, avec un bon comportement, on devient plus proche de Dieu. On approche de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce comportement-là. On a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quelles sont les actions qui nous amènent au paradis plus que les autres actions. Quelles sont les actions qui nous amène au paradis plus que autre action. Qu'est-ce qu'il a dit Rasoul? Il a dit la piété et la bonne humeur, bon comportement. La piété et la bonne humeur. Parfois, pourquoi il a dit la piété et le bon comportement? Parce que parfois on est pieux, mais on n'est pas souriant. On fait la prière, on fait Ramadan, on fait Zakat, on fait le monde légal, volontaire, tout ça. Mais en fin de compte, on n'est pas souriant, on n'est pas de bon, c'est-à-dire. Voilà. Donc, il faut avoir la piété et la bonne humeur. Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, il a dit le plus proche de moi parmi vous, et les gens qui vont profiter de mon intercession au jour de la résurrection, sont ceux qui ne mentent pas. Et garde bien le dépôt. Et qui sont de bonne humeur. Et qui sont plus projetés de quoi? Des peuples. Donc, selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux être le plus proche de Rasulullah, si tu veux atteindre l'intercession de Rasulallah au jour de la résurrection. Tu dois être quoi? Il ne faut pas dire, tu dois pas dire le mensonge. Hein? Tu dois garder bien le dépôt. Si quelqu'un te confie quelque chose, il faut. Tu dois être de bonne humeur. Hein? Et tu dois être parmi le peuple. Oui. Parfois on est pieux,
On fait la prière. On est loin de quoi? Loin des peuples, loin des gens. Moi, je vous dis quelque chose. Écoutez, ça c'est très très important. À l'Occident, on dit la religion, la foi est une chose personnelle, individuelle. Il ne faut pas qu'il rentre dans la société, dans la communauté. Religion, c'est une chose personnelle, individuelle. Tu veux faire la prière, ce n'est pas grave, tu vas faire chez toi. Mais dans la société, dans le travail, non. Il ne faut pas parler de quoi? De la prière. Il ne faut pas parler de la religion. Il ne faut pas parler de la piété. Il ne faut pas parler de quoi? De la charité. Parce que c'est une chose personnelle. Tu vas à l'église, tu vas chez toi, tu fais tout ce que tu veux, mais dans le travail, dans la société, non. Vous voyez? Alors que l'islam, c'est tout à fait contraire, ça. Selon l'islam, nous avons usul al-din, les principes, n'est-ce pas? Et nous avons furu al-din, hein? C'est-à-dire des quoi? Des voilà. Bon. Regardez un petit peu furu al-din. C'est quoi furu al-din? Il y a combien? Voilà. Au moins, il y a 10. Hein? Ça commence par la prière. As-salatu. Hein? As-salatu. Bon. Salat, en tant que salat, c'est une chose, c'est une action individuelle, privée, en fait. Mais... Ah, il faut la faire c'est-à-dire ensemble. C'est-à-dire, il y a un côté, un aspect individuel, mais on va faire ça comment? Ensemble. C'est-à-dire, il y a un aspect, quoi, social aussi, pour la prière. Un aspect spirituel. Spirituel et social. Social. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on doit faire la prière ensemble, mais en ordre. Et suivre quelqu'un comme imam. Vous voyez? Tout ça sont des choses. Des choses sociales. Ce n'est pas individuel. On parle de Ramadan, à Siyam. Hein? Siyam, c'est une adoration, on peut dire, privée, individuelle, personnelle. Hein? Mais à la fin de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on doit donner le monde légal. C'est-à-dire, tu vas terminer ton action individuelle avec une action quoi? Une action commune. Voilà, une action commune, c'est-à-dire une action sociale. Tu as bien fortifié ta relation avec Dieu pendant un mois. Mais tu dois faire un autre devoir. Il s'agit de quoi? Payer le monde légal. Comme tu as pensé à Allah, tu dois penser à la société aussi, à la communauté aussi. Il y a un aspect moral et spirituel, individuel, et un autre aspect quoi? Social. Bon. As-siyam, as-salat wa siyam. Hein? Et ensuite, zakat. Zakat, le monde légal. Tout à fait social.
Mais quand même, ça doit être au nom d'Allah, sur le chemin d'Allah, fi sabilillah, pour l'amour de Dieu. Hein? Regardez bien. Donc, zakat, c'est quoi ça, zakat? Le monde légal. Pour protéger la société musulmane. Hein? Pour protéger la société musulmane. C'est une action plutôt sociale. Mais avec une intention quoi? Voilà, on doit faire pour Allah, pour l'amour de Dieu. Et on parle de khums. Khums, c'est la même chose. Pour protéger, garder, faire suivre la société musulmane. Donc c'est une chose sociale aussi. On parle de djihad. Furu'adin, c'est djihad. Qu'est-ce que c'est djihad? La guerre sainte. La guerre sainte. Pourquoi? C'est une chose individuelle? Non. Privée? Non. Non. Djihad, la guerre sainte, c'est pour protéger la société musulmane. Donc c'est une chose, comme on peut dire, sociale. Universel. Voilà. Hajj. On parle de Hajj. Pèlerinage de quoi? De Hajj. Est-ce que c'est une chose personnelle, individuelle? Non. C'est une conférence internationale pour tous les musulmans. Et chaque année, on doit recommencer et répéter ça. Il y a un aspect individuel, tu dois faire tout ce qu'il y a comme culte, comme rite. Mais il y a des aspects quoi? Des aspects sociaux. Chaque année, on fait une quoi? Une réunion mondiale, universelle. Donc c'est l'aspect social plutôt, social, c'est-à-dire une vaste quoi, de conférence, une grande conférence mondiale en fait. Dans le Hajj on fait ça. C'est dans le Hajj qu'on échange les idées. On voit le problème des musulmans dans le monde entier. On se connaisse. Il y aura rencontre entre eux, les musulmans, les races, les peuples. Alors, donc il y a la prière, le ramadan, le monde légal, khums, la guerre sainte et le hajj. Est-ce qu'on peut dire tout ça, ils sont des choses individuelles? Non, c'est quelque chose. Non. Sociale, voilà. Donc c'est qu'ils disent, non, la religion, l'islam, il faut être musulman, ça va, c'est pas grave, mais c'est une chose individuelle, tu as chez toi, tu fais comme tu veux. Mais c'est pas ça l'islam, c'est autre chose. L'islam se présente toujours dans la société avec le peuple. Avec le peuple. Une femme vient chez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, messager de Dieu, mon mari a laissé tout. Il fait que la prière et le ramadan, dans la journée il fait ramadan, dans la nuit il fait quoi, prière? Il nous a laissé. Qu'est-ce qu'il a fait, Rasulullah? Il était tellement fâché. Alors, il a mis son abba très vite. Il est allé à la mosquée. Il a parlé aux gens.
Ce genre de choses n'existe pas en islam. Oh, vous les musulmans, faites attention, faites attention. Ce sont les chrétiens qui font ça. Hein? Mon père, ça va, ma soeur, ils font ça. Mais plutôt les catholiques, sinon les protestants, normalement, ils font mariage. Mais les catholiques, ils ne se marient pas, ils restent toujours comme ça, loin des gens, dans une église un petit peu perdue dans la forêt. Voilà. C'est ça l'habitude. Mais c'est l'habitude de quoi? Des chrétiens. Christianisme. Rasulallah, il a dit, c'est pas notre habitude, c'est pas notre coutume, c'est pas coutume de l'islam. Un musulman doit pratiquer l'islam et rester avec la famille, la société, la communauté, le peuple. Voilà l'islam. C'est pour cela que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le plus proche de moi au jour de la résurrection est celui qui est de bon comportement. Voilà. Celui qui ne dit pas mensonge, celui qui garde bien le dépôt, celui qui est de bon comportement et celui qui reste toujours avec le peuple. Vous voyez? Donc, je voudrais vous donner une idée à propos de l'islam. L'islam, ce n'est pas une chose individuelle. Les gens qui veulent propager ça, ils veulent nous affaiblir en tant que musulmans. En disant, oh non, c'est une chose personnelle, c'est une chose individuelle, il faut pas. Oui, peut-être à l'Occident c'est comme ça, avec les catholiques, mais avec l'islam c'est pas comme ça. On doit se présenter, on doit rester avec le peuple, avec les gens, comme Rasulullah il a fait. Il faisait la prière, il faisait Ramadan, il donnait l'aumône. Il rendait service à tout le monde, mais il était avec le peuple. Se présentait dans la mosquée. Alors, donc première chose qu'on peut avoir, deuxième chose qu'on peut avoir, donc, bon comportement. Avec bon comportement, on est proche d'Allah. Avec bon comportement, on est proche de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième chose, troisième effet et récompense, ça va, avec bon comportement, Allah va pardonner notre péché. Imam Sadr alayhi salam, il a dit, avec quatre caractères, on peut perfectionner notre foi et notre croyance. Une croyance sera complète avec quatre comportements, quatre caractères, quatre. Voilà. C'est-à-dire être véridique, ne pas dire le mensonge, bien garder le dépôt, avoir de la pideur, haya, et être de bon comportement. Vous voyez? Pourquoi elle dit ça va perfectionner la foi, la croyance? Parce que avec ces comportements-là, ne pas mentir. Hein? Ne pas mentir. Être probe et confiable à propos d'un dépôt. Hein? Avoir d'une
avoir une pudicité, avoir des pudeurs, être de bon comportement. Avec ça, il n'y aura pas de péché. Il n'y aura pas de péché. C'est pour cela qu'Imam Sadr alayhi salam dit, si vous auriez quatre comportements suivants, hein, votre iman, votre foi est complète et perfectionnée. Même si vous auriez beaucoup de péchés, mais avec ça, il n'y a pas de péché. On ne ment pas, hein? On ne ment pas, on garde bien le dépôt, on est des, c'est-à-dire un homme de pudeur, hein? On est de bons comportements. Avec ça, il n'y a pas de péché. Voilà. Bon. Là, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une femme soi-disant pieuse. Pourquoi je dis soi-disant pieuse? Parce que il faisait la prière dans la nuit. La prière volontaire. Il faisait Ramadan dans la journée. Mais le problème avec elle, il ne contrôlait pas c'est-à-dire sa parole, sa bouche. Il parlait n'importe quoi. Il piquait les gens avec son langage. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, ce qu'il fait comme action, c'est futile, c'est inutile. Inutile. Parce que l'action de nuit, comme la prière nocturne, et l'action de la journée, comme Ramadan dans la journée, ça doit avoir un effet positif. Positif. Mais avec elle, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Comme vous avez dit, il y a quelqu'un qui fait Ramadan, mais alors d'iftar, il boit de l'alcool. Qu'est-ce que ça va dire ça? C'est une contradiction. C'est une contradiction. Alors, si, qu'est-ce qu'il a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Inna al-abda la yanalu bi husn khulqihi. Voyez, être de bonne humeur, être de bonne humeur a une récompense. C'est quoi ça comme? Selon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, si tu es de bonne humeur, si tu es de bon comportement, si tu es souriant, si tu es doux avec les gens, comme si tu fais la prière dans la nuit et tu fais Ramadan dans la journée. Vous voyez? Écoutez bien, je vous ai expliqué. La femme qui fait c'est-à-dire la prière nocturne dans la nuit et Ramadan Siyam dans la journée, mais il est des mauvais comportements. Rasulullah a dit c'est rien, futile, hein?
inutile. Mais il y a quelqu'un d'autre qui ne fait rien du tout. Il ne fait pas la prière dans la nuit. Il ne fait pas Ramadan dans la journée. C'est-à-dire le siyam volontaire, c'est-à-dire. Mais Rasulullah, il a dit, ce type-là, étant donné qu'il est de bonne humeur, comme si il fait la prière nocturne et le Ramadan dans la journée. C'est-à-dire la récompense est très intéressante, très grande. Alors, en plus, selon Imam Sadiq alayhi salam, si tu es de bon comportement, tu vas avoir la récompense de celui qui fait la guerre sainte. Bon. Vous voyez, être un combattant, c'est pas facile. Être un combattant, c'est pas facile. Jour et nuit, en forme, en service, loin de la famille, dans la frontière. Dans les forêts, dans la poussière. Tu vis en tant que mujahid, c'est-à-dire un combattant. C'est pas facile. C'est dur. C'est pour cela qu'Allah donne beaucoup de récompenses. Allah attribue beaucoup de récompenses à cela, celui-là. À combattant, à la guerre sainte. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Imam Sadr al-Islam? Il a dit, si tu es de bon comportement, tu vas gagner la même récompense qu'un combattant. Oui. Vous savez, dans notre hadith, il y en a, mais peut-être avec les sunnites, il n'existe pas, mais chez nous, on dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de retourner de la guerre. Dans la guerre, il y a la blessure, il y a la fatigue, il y a des morts, il y a des maladies, il y a des fatigues. C'est la guerre qui use les gens avec. Mais une fois retourné à Médine, il dit, il dit, attendez, je vais vous dire quelque chose. On a terminé la guerre, la petite bataille. Il y a devant nous la grande bataille. Ils ont dit, ya Rasulallah, on a fait trop de choses, on est fatigué, on est blessé, on est mort, on a payé beaucoup. Encore il y a, c'était petit. C'est quoi la grande bataille? Il a dit, la grande bataille, c'est lutter contre l'âme. Voilà, djihad al-nafs. Alors, djihad al-nafs, c'est quoi ça? C'est bon comportement. C'est pour cela que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Imam Sadiq alayhi wa sallam l'a dit, quelqu'un qui est de bonne humeur, il va avoir la même récompense qu'un combattant sur le chemin de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.